parce qu'elle peut en mettre pas. On l'envoie de plate. Oh putain, ok Superman. Mes deux parents sont morts. Wesh, t'es parti? Oh, reste ici. Renard, ça t'amuse de rentrer avec ton ta mobilette là à l'intérieur alors qu'il y a des gens qui créent leur perso tranquillement? Ouais, comme ça, toi. Bon, Stanley, t'as le droit de l'embrouiller deux secondes, vas-y. Fais pas un scooter dedans. Ça y est, tu fais ton mec. Arrête, tout à l'heure, tu disais rien. Maintenant, dès qu'il y a quelqu'un, tu dis quelque chose. Bah, moi, j'ai des mêmes. Oh là là. Moi, je veux un remboursement de mon scooter. Très bien, attends, je vais faire ça. Possible, parce que moi, je veux mon scooter, c'est marché tout le long là, imagine. Merci, on m'envoie sur une autre mission. A plus tard. A plus tard. Ok Superman. Papillon. Ouais, j'ai été dépêché pour sticker, qu'est-ce qui se passe alors? En gros mon collègue il est tombé, il est mort. Et beau gosse, moi je me suis connecté, j'ai plus de tenue, c'est normal ou pas? Va dans un magasin de vêtements. Bon jeu sinon le savoir, t'aimes bien? En vrai ouais c'est cool, peut-être je suis arrivé à pas longtemps. Ouais, développe ton perso, développe ton histoire comme tu l'entends, il y a pas mal de métiers. Raconte un peu ton background. Mes deux parents sont morts. Wesh. T'es parti? T'es là ou pas? On bat les couilles. C'est trop bon les gars. Oh les mains, s'il te plaît. Non mais en fait c'est beau, j'ai de quoi un véhicule. Ouais parce que là il y a un ticket, tu me dépêches sur un ticket, là j'arrive et tu commences à faire n'importe quoi, à tirer dans l'environnement. Tu sais que t'es censé savoir qu'il y a des animaux autour. T'as des cerfs, t'as des biches, tu peux les apeurer. T'as pas utilisé ton arme et à tirer. Mais comment je fais pour chasser du coup? Ce qu'on appelle du masserpé d'animal, t'as pas le droit. Et du coup moi je fais pour chasser moi? C'est une réserve protégée, c'est un parc national, tu comprends? Tu cherches pas ici, il y a des zones de chasse. T'as bien qu'il y a un sentier, il peut y avoir des gens ici, il peut y avoir des gamins. Oui, mais je suis au bord. Considère-le dans ton RP. Il peut y avoir des choses à protéger, des animaux, des gens qui peuvent passer, des vieilles dames en randonnée. Si mon animal il passe, il va là-bas. Raconte-moi ton background déjà. C'est quoi ton background? Moi, mon background, je viens du Mexique. Je vis dans une famille plutôt dans l'illégal. Et puis. Hablas espagnol? Comment ça, poco? Pas beaucoup. Ça va pas. Si tu fais un Mexicain, tu dois avoir des bases un minimum en portugais. Y hablas de la moneda, de valor de la corona, ça siempre. Por la calle, cuando iras recto. Et recto para la derecha. Yo soy para proteger los animales. Oui, je sais, j'ai pas le droit de faire ça ici, ouais. Ah, il faut que t'aies un accent à Javier Saviola. Ouais, pero donde está? Está la mujer. J'ai travaillé, on va dire, mon accent. C'est parce que j'ai travaillé, mon accent. Non, c'est pas travailler, c'est pas un personne digne d'un vrai serveur sérieux SAP. Il faut que tu sois dedans, mon pote. T'es là, t'envoies, là, tu vois. T'es un baron de la drogue. T'es là, t'es au Mexique, etc. Y'a des mecs, t'as des ancêtres. Ils seraient pas fiers de toi. Yo contigo. Frérot, quiero matar por el culo! Comment ça du cul? Yo soy Javier Saviola! Ah ouais! Quiero follar tu chica por el culo! Non, comment ça ma fille, wesh? Quiero donde está la vita negra? T'envoies un peu des répliques comme ça en espagnol, ça rend bien. Dis-le la roja! Vas-y avec ça, avec la roja! La roja! Ja! Je vais fatiguer, frère! Le jota, jota, jota! Ouais, faut que j'arrive à roja! Carabara y la bamba! Jota de caramba! Faut savoir rouler les R, tu vois! Bon allez, va prendre une douche et tu relances plus tard. Suspension de scène, levez les mains les gars, désolé, il y a eu un ticket qui a été envoyé. Ah oui, mais par contre je sais pas qui c'est, mais c'est des gens, ils sont là, ils viennent, ils sont torse nu. Bon, ils viennent dans la voiture, ils veulent... Bon toi tu vas dégager tout de suite, Axel Bibiste. Ouais, c'est moi. Ah bah pense à toi je crois. Ouais c'est bon, le ticket a été géré, je l'ai mis en jail. Maintenant je viens de voir plus particulièrement là, je te suis depuis quelques temps sur les scènes. Faut que tu y crois plus dans ton personnage. Rappelle-moi ton background. Mon background, mais je sais pas c'est quoi. Voilà, c'est ça. Déjà, il y a un problème là. Déjà, ça manque de caractère, ça manque de conviction, ça manque d'enthousiasme et de dynamisme. Sors l'écro un peu là. Donc, déjà, la voix ça va pas. Essaie de sortir une voix un peu plus bonhomme. Mets des graves pour voir un peu. Je sais pas comment. Genre, tu parles comme ça un peu là. Alors, où est le fric? Comme ça? Oula, non, attendez. Ouais, il faut que tu mettes, comment dire, faut que tu aies un peu plus de hargne dans ton caractère. Là, y a rien là. C'est trop fragile. Ouais, mais ça dépend les scènes. Non, allez, vas-y, va faire une première intervention. Là, je te vois une interaction là avec quelqu'un. Et montre-lui, voilà, que t'es quitté. Et tu viens faire quoi dans cette ville? On le spec le pige ou pas? Et je vais me taper. Ça est vraiment que vous m'effrayez. Et quoi? Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me faire une fellation, c'est ça, petit bouffon? Tu voulais me sucer à deux, bande de petits cons? Hein? Tu veux me sucer? Je retire mon pantaslip, c'est ça que tu veux? Hein? Est-ce que tu veux vraiment qu'on te goûne? Recule, tu crois? Non, ta. Hollywood! Allez, il faut qu'il y ait un chewing-gum. Quoi? Comment ça, je suis pas chez moi? Raciste? T'es pas chez toi? Raciste? On dit juste la vérité des choses, oublie pas mon gars, oublie pas d'où tu viens, c'est ton petit. Oublie pas que nous, on vient d'arriver. Imagine-toi, il y a des plus grands que nous qui vont te mêler. Je sais pas sur qui tu tombes, mon gars. T'as rien du tout. Je suis personne, c'est ça justement. C'est que tu sais pas sur qui tu tombes, et des fois tu ouvres un petit peu trop à grande gueule. Désolé, hein. Il a un peu bégué là, non? Toi, tu dis que t'es désolé maintenant d'un coup là, hein? Et toi, tu parles plus, toi maintenant là? Maintenant, vous m'avez mis en isoling. Qu'est-ce qu'il y a là, quoi là? Vas-y, frappe-moi. C'est pas grave. Qui te dit que je vais pas te frapper?
Regarde, hop, hop, je tourne autour de toi. Il est tombé sur les seuls mecs du sec, on peut partir en égo. Bon, give up, pour vous, décroche. Dis, non, mais ouais, je décroche. En fait, on n'a pas le niveau nécessaire pour que je vous pète la gueule. Vous êtes des trous de balle. Quand ouais. Plus tard, vous aurez le niveau, vous reviendrez et je vous péterai votre crâne, bande de trous du cul. non, il est tombé sur les seuls mecs qui n'ont pas craqué. Hein. Il a pas de chance, il a vraiment pas de chance. Ouais, ils ont full tanké. Non, hein. Rien du tout, Sharma. Non, mais... de ma caisse. En banque, t'as combien? 20 millions, c'est tout. Et j'ai l'argent. Ils peuvent craquer là, non? Ils peuvent craquer là. J'ai l'argent que ta daronne m'a envoyé parce qu'elle me. Elle peut pas. Bougez pas, suspension de scène. Suspension de scène, s'il vous plaît. Sortez du véhicule. Attends, tu vas m'expliquer là. Il a juste fait une remarque sur ta daronne, c'est une raison de le buter. Tu devais maintenir la scène. Il était inoffensif. Tu dois jouer avec lui. Tu dois pas le tuer en fait. De base, t'as pas de la daronne ici? Non, mais daronne ou pas daronne, mec, le but c'est de jouer RP. Ouais, scène à refaire. Attention, moteur, action, les gars, ça repart. On l'envoie de fou. J'ai seulement 20 millions. J'ai aussi l'argent que t'as donné. T'inquiète pas, j'ai que prendre du. Non, mais c'est. Non, mais c'est chiant quoi. Juste. Tu sais pas le faire, c'est pas le faire. Qu'est-ce qui se passe encore là? Remets-toi en. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, suspension de scène. C'est quoi le problème, 2905? Bah, en fait, je sais pas. Il fait mal l'accent. Et je sais pas, il l'avait pas tout à l'heure là, tu vois. T'arrives pas à être en immersion totale et d'avoir peur en fait. Exact. Les personnages sont pas maîtrisés selon toi? Ouais, il y a un manque de maîtrise là. Les gars, il a raison sur l'accent. T'as pas à le refaire l'accent en mode clown quoi en fait. T'as vu. En le reprenant. Eh, tu m'imites bien gros. Allez, on l'a. Moteur action, on l'a refait. Ok, merci. Eh, oh, je te parle là. Tu me rebats. Oh, fuck! Désolé, non! Arrête, please! Rebraque-moi là, t'es con quoi? T'es con quoi? Rebraque-moi! Ah, fuck! Arrête, monsieur! Du coup, t'as combien sur toi? J'ai 20 millions! Et aussi, il fait que j'ai l'argent de ta daronne qui m'a envoyé parce qu'elle travaille OnlyFans. 15 opérations, 15 dollars. Je peux faire pour m'en sortir de cette situation. C'est là où tu vois qu'ils sont vraiment mauvais. Hein. Quand ils tuent pas les mecs, c'est là, ils sont pauvres en RP, non? Limite pour eux, c'est la meilleure issue possible quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as pas à me connaître ou c'est quoi là? C'est quoi? Tu veux me gérer, petit bouffon? N'importe quoi, allez! Et toi, tu parles pas là? Allez là, les gars là! Je suis pas en train d'avoir peur là! Vous êtes pas menaçant là! Y'a rien du tout! Coupez les gars! Non, là vous êtes pas au niveau les gars! Vous êtes pas au niveau, il s'est proposé un truc, les gars, y'a pas de réplique, y'a pas de répondant, donc on annule tout. Le chinois, tu repars de ton côté, les autres vont retourner sur le. Non, mais là-bas c'est notre véhicule! Ouais, mais il a le droit! Allez les gars, reprenez le même véhicule là et bon jeu à vous! Non, donne-leur leur véhicule! Redonne-leur! Comment redonne-leur le véhicule, vas-y, redonne-leur. Allez, c'est bon, allez. Tiens, on prend ton véhicule. Mais la prochaine fois, déhouille-le. Oui, mais il est sérieux, là. Mais tu veux de l'argent? Vas-y, je suis Nasdas. Oui, bonjour, monsieur, oui. Oui, bonjour, vous voulez de l'argent? Est-ce que vous me voulez, monsieur? Non, rien, monsieur, vous voulez de l'argent? Ah non, j'ai de l'argent, je suis riche, comme vous le voyez. Je me présente, okay. Je suis Henri Delacroix. Par contre, votre tenue, vous devez retourner dans un magasin de vêtements, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Ah, vous pouvez dire qu'elle est éclatée au sol, ma tenue. Ah, regarde qui je suis maintenant. Tu l'avais pas vu venir? Je suis modérateur. Non. Bonjour. Bon, je te mets en jail, ok? La prochaine fois, okay. Tu t'habilles, ok? Ok. Ah, c'est bien que t'acceptes ton jail. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.